la question d'identité québécoise est un joli problème. Hein? Je veux dire, c'est... Je vais l'aborder sous un autre angle que comme si c'était une entité. Et Brunner, qui est un des grands psychologues cogniticiens de l'ordre de Piaget, et qui est américain, est confronté au problème de l'identité personnelle. C'est dans ses thérapies, son développement, il se pose la question de l'identité personnelle. Qu'est-ce que l'identité personnelle chez quelqu'un? Et ce qu'il a démontré à travers le temps, c'est l'identité de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui existe. L'identité, c'est ce qu'on peut dire de soi à travers la narration. Je suis ce que je peux dire de moi-même. Et se dire, dans son cas, c'était si à l'occasion du souper avec les parents, à la discussion avec les amis, etc., après 5, 6 ou 10 ans, qu'on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Ben aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait telle chose, j'aime le dessin, j'aime le dessin, j'aime le dessin, j'aime pas les mathématiques, j'aime pas les mathématiques, ou l'inverse, j'ai aimé telle fille, j'ai fait ça, j'ai aimé le sport. Vous demandez, qui es-tu? La réponse va être le condensé de ce qu'il a narré aux autres. Je suis celui qui aime le sport, je suis celui qui aime la musique ou que sais-je. Je transpose maintenant cette réflexion-là sur le plan social de l'identité québécoise. L'identité québécoise, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin, c'est pas quelque chose qu'on peut cerner. Il va se cerner par ses modes de manifestation sémiotiques, plus particulièrement ses modes de manifestation linguistiques, langagières. Pas le fait que ce soit français, mais le fait qu'on a des modes d'expression. Et au Québec, on a privilégié, pour des raisons historiques, à cause de notre rapport à la langue, des divers modes d'expression qui nous disent à nous ce que nous sommes. Alors, si vous me reposez la question, qui sommes-nous? Je dirais, regardons ce que nous disons de nous-mêmes. Quels sont les modes par lesquels nous nous racontons? Alors, notre identité québécoise, elle passe à travers tous ces modes, que ce soit la chanson, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, le mode scientifique d'expression, des publications. Et si je pouvais le décrire, ce serait le condensé de l'ensemble de ces choses-là. Alors, la question d'identité, qu'est-ce qu'elle devient dans ce cadre-là de compréhension? Et je n'ai pas l'impression que quand on parle de l'identité québécoise, on se fait ce travail-là. On en parle comme s'il y avait quelque chose de... comme l'âme à l'intérieur. Le mot âme est important parce que culturellement, mais on aura beau l'ouvrir, notre corps, on ne trouvera pas l'âme. C'est ça, il y a des régularités dans les comportements humains qui se parlent et c'est à l'intérieur de ce partage social, ce condensé, ce dépôt-là, que se construit l'identité. Et elle est en train de changer parce que rentrent de nouveaux discours, de nouveaux modes de manifestation. Et de mon point de vue, en fait, conserver l'identité québécoise pose un problème parce que si je le plains au niveau de ces modes de manifestation, il y a de nouveaux modes d'expression qui rentrent dans le lieu partagé social, la place publique, et là rentrent en conflit avec les discours existants. Et évidemment, ça va poser un problème parce que le discours existant, ses paramètres, ses propositions, ses vérités, etc., il de nouvelles rentrent en ligne de compte. Et alors, les décisions sociales que nous avons à prendre, les décisions économiques, si elles reposent sur une conception d'identité comme étant une âme que l'on a à l'intérieur, va être vite confrontée à des problèmes majeurs. Alors que l'identité implique une compréhension de ces discours, de cet art, de cette pratique, ces relations, ces rituels, etc., relativement aux nouveaux qui rentrent en ligne de compte.
cette âme québécoise, cette identité, c'est ce conglomérat de ces formes culturelles partout, et ça va du chansonnier jusqu'au repas de le rituel du repas de Noël, du comportement à l'hôpital, de l'attitude du médecin au professeur. Ce sont des comportements culturels qui finissent par être partagés, et voilà qui en rencontre d'autres. Comment on va faire cette chose-là? Ça va être par les dynamiques d'intégration des formes de culture différentes.